Pour tout vous dire, il y a une anecdote assez drôle qui vient de se passer avec mon ami Hugo de la chaîne Les Questions Cons. Pour le bien d'un tournage, on a besoin d'un verre de type cristal. Nous, Hugo et moi, on est jeunes et on est souriants et on est drôles, tu vois, comme garçon. Du coup, on a fait un petit tour dans la grande distribution qui s'appelle Beaugrenelle. Vous connaissez peut-être le quartier de Beaugrenelle. Il y a plusieurs magasins sympas et on cherchait un verre en cristal. On avait un petit budget limité, 15 euros maximum. On est tombé sur une marque de cristal, on va dire, très connue. Je vous montre un peu, voilà, ça ressemble à ça. Je dis pas la marque, hein, mais bon, pour ceux qui connaissent, parce que Hugo et moi, on connaissait pas. Et ils nous ont dit, ok, verre en cristal, pas de problème, on a tout ce qu'il faut, c'est 90 euros. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on l'a acheté. Évidemment qu'on l'a acheté. Normal. Évidemment qu'on l'a acheté. Il n'y a pas de problème. Ouais, ce qui est très drôle, c'est que Hugo et moi, après, très guiré et fier de nous, hein, parce qu'on avait trouvé notre vrai verre en cristal, on est revenu au bureau. On est tombé sur Ludo et Franck. Salut Franck. Salut. Qui ont bien rigolé, qui sont bien foutus de notre gueule. Ils ont dit, les gars, vous allez tout de suite rembourser ça. Le troisième truc très cocasse, c'est que là je retourne avec Franck pour rendre évidemment ce bijou. C'est juste un verre. Hein. Sur la facture, j'ai vu qu'il y avait écrit non remboursable. Du coup, là, ce que je vais tenter, c'est de négocier. Hein. Je vais essayer de négocier serré, je vais essayer de faire 2-3 blagues. T'es bon négociateur ou pas? Je suis mauvais négociateur. J'y vais avec Franck, c'est ma caution un peu sérieuse, tu vois, au moins on est tranquille. Bonsoir. Malheureusement, on va devoir le rendre. Oui, mais le problème c'est que la carte ne fait pas le remboursement. Non, malheureusement, je ne peux rien faire. Pour vous dire, parce que je suis la directrice et je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'il n'y a pas de négociation possible. On va le garder. On va virer Hugo, c'est pas grave. Ouais. Je sors du magasin là, avec les verres hyper chers. Et alors, je vais vous surprendre, mais non, ils ont pas voulu de reprendre mon verre. Ça fait un peu mal, c'est toujours une belle anecdote. On rigole au tatou. Le tatou, c'est la famille, ça fait plaisir, on est heureux. Il y a des choses pires dans la vie. Il hein. Y a des choses pires. Par contre, pour ce soir, on va acheter des pâtes, du coup, ça te. Des bonnes pâtes. Des coquillettes. Un truc à 1 euro, ouais. 20 centimes. Sans fromage, hein. Sans rien. Sans fromage, sans rien. Même pas cuite, hein. On va les manger direct comme ça. Je vous retrouve parce que là, je vais monter dans le bureau. Et ça va être très drôle parce qu'il va falloir que j'annonce ça à Ludo et Hugo, que j'ai pas réussi à négocier. Un bon verre à 90 euros, qui achète ça à part des tocards comme nous? Je vais leur dire. Non? Du coup, voilà, on a vraiment tout fait. J'ai négocié comme une brute. T'es sérieux? Il est encore là, le bébé. Bah, en fait, je veux faire une question con où j'aimerais éclater un verre avec une voix aiguë et un son aigu. Du coup, j'ai acheté un verre en cristal. Non, il y avait un an de. Dans une petite boutique du nom de Baccarat. Il savait pas ce que c'était, maintenant il sait. Non, mais on est jeune aussi. Ça, c'est. Du Rolex, du ça, verre. C'est du verre, tu le ramènes en soirée, tu repars avec. Hein. Ah, mais en plus, il est simple au possible. Mais il est pas simple du tout, il est sublime. Il est sublime. Continuez à nous suivre, hein, les tocas. Les tocas, on est. On est viré du tatou, c'est voilà. En vrai, j'espère qu'il va pas se casser, les gars. Parce que merde, quoi. Il est beau, et belle boîte, hein. Belle boîte. Moi je suis atterré là, mais. Voilà. Bien sûr, non, Ludo, sois heureux, on en rira. Pas heureux d'idée. On en rira. Non.